Je pense qu'on est quand même sur un sujet fondamental de vraie modification des entreprises, que ça est demandé par le grand public. Le grand public considère que l'entreprise doit bien sûr bien faire son métier, mais au-delà de ça, travailler autour des thématiques de l'environnement, en tout cas le respecter, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts sur la planète, et même aller au-delà pour créer un monde meilleur. Je pense que c'est le rôle de la communication aujourd'hui, qui a un enjeu très fort, que ça pousse les entreprises à aller plus loin et que ce qui est formulé clairement pour le public est ce qui est le plus efficace. Moi, je crois qu'on a un public autour du greenwashing qui est un public plutôt activiste, qui considère que les entreprises ne font pas d'efforts. Moi, je cherche à être la plus honnête possible. Je suis l'interlocuteur d'entreprises. Tout le monde connaît mon mauvais caractère. Donc, quand on ment ou quand on fait du greenwashing, je le repère. Et je ne le repère pas souvent, je repère surtout des entreprises qui veulent bouger. Je pense qu'on confond greenwashing et transition. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas y aller du jour au lendemain. Je pense que le grand public est plus ouvert que ça. Aujourd'hui, les communications qui fonctionnent le mieux sont les communications où on dit vers où on veut aller et on donne des preuves qu'on y va.